Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus et bienvenue sur FIFA 16 pour la suite de nos aventures sur le mode BE Pro. Toujours à l'Olympique de Marseille, mais c'est la fin de saison approche, hein, à grands pas. Nous sommes au mois d'avril 2017. Et aujourd'hui c'est donc... Eh oui, l'Atlético de Madrid, eh ben oui, le match retour. Nous avions gagné 4-0 le match aller. En semi-pro avec un quadruplé, je crois, de Comingus, il me semble. Mais j'ai changé la difficulté. Nous serons en pro maintenant. Voilà. Je sais, oui, ça a mis du temps, mais nous passons en pro. Ce sera beaucoup plus compliqué pour Marseille. Ce sera beaucoup plus compliqué pour moi. Mais voilà. C'est normal. Il faut évoluer un petit peu. Hein, voilà. Donc, Stade Vélodrome, il est 20h, nous sommes le 12 avril 2017, le coup d'envoi. L'arbitre, ce sera Ernesto Colombiano. 4 minutes, c'est les couverts à Marseille, et c'est parti. Donc, pour le match retour, ça ne devrait pas poser de problème, vu que nous avions gagné 4-0 tout de même à l'aller, donc ça devrait aller. Mais après, par contre, voilà. C'est parti, la Ligue des Champions, le match en intégralité, bien entendu, comme tous les matchs de Ligue des Champions. C'est normal. Allez, sur ce, let's go. Jouer, contrôler, Azaquam, oui, c'est parti, go. La Ligue des Champions, le Stade Vélodrome, la France contre l'Espagne, Marseille contre Madrid, l'Atlético. On a éliminé le Real Madrid au tour précédent, je vous le rappelle. Franck Sauzet et Hervé Matou, bien sûr, comme d'habitude, il n'y a que eux qui commentent. Nous sommes en quart de finale, alors que Paris a perdu un but, 2-1 chez eux, hein, au match aller. On va laisser bien sûr en intégrité toutes les animations et tout dans ce FIFA 16. Hein. On laisse tout. Alors, joueur à suivre, Azaquam, 4 buts sur les 3 derniers matchs. Oui, c'est moi. Je suis le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Est-ce que Quamengus va rester à Marseille à la fin de la saison? Qui voudra de Quamengus? Bonne question. L'équipe type hein, marseillaise, hein, donc il n'y a pas de changement. Ça, ouais, Alessandrini, Jovetic, ouais, non, il n'y a pas de. Non, okay. Et en face, l'Atlético. Est-ce que Griezmann sera là? Oui, je vois pas pourquoi il serait pas là, mais bon. Il est là. Donc, Javi Martinez, Coquet, ouais, Oscar, ouais, Tchitchara, Gabi, ok. Godin, bref. L'équipe type. Alors 4-0, ouais, bon, d'accord, c'est le suspense est un tout petit peu tué, même si, attention, attention, au retour des Madrilènes, on ne sait jamais. Donc en pro, hein, voilà, ça va changer un petit peu. Il va falloir que je m'y habitue. Un arbitre italien, encore, j'ai envie de dire. Allez, le coup d'envoi va bientôt avoir lieu. Olympique de Marseille face à l'Atlético Madrid. C'est parti, coup d'envoi des Madrilènes, let's go. On avait gagné 4-0 chez eux en plus, hein, putain. Waouh. Et en pro, alors ça peut aller vite, hein. En pro. Voilà. Donc l'IA va être meilleure, mon équipe va être moins. Oh putain, le poteau qui sauve l'Olympique de Marseille après 3 minutes de jeu. Ouh lolo, ça commence fort. Ah, je l'ai dit, hein, attention. La superbe tête, Mandanda est battu. Ouh, heureusement qu'elle rebondit pas sur lui. Oh là 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 là, ça commence tendu là. Le poteau. Je vous l'ai dit, on laisse toutes les animations, je laisse tout. Et on va se placer là au cas où on aurait la balle. Faut tenir les gars, 4-0. Bien joué, tu me la mets là, je suis tout seul. Je suis tout seul, vas-y, vas-y! Ah bah putain quand même! Je lui mets à lui là. Bien joué ça. Tu me la repasses. Ah, mauvaise passe. J'aurais pu être tout seul peut-être, mais bon. J'aurais pu faire un rush tout seul, peut-être. Bien joué ça. Quoi, corner. Un contré là. Oui, il y a corner. Alors que j'ai eu un truc là-haut, je n'ai pas fait gaffe à quoi. C'est une passe, à mon avis, réussie. Je fais beaucoup de passes, hein. Allez, corner pour l'Olympique de Marseille. Superbe. Quoi, bien joué. Voilà, mauvais, mauvais tout ça.
Attends, la contre-attaque madrilène, ça peut aller vite. Griezmann. Griezmann qui passe, attention. Bien joué, magnifique défense. Allez, ça fait 16 minutes de jeu. Le quart d'heure est passé. Marseille n'est pas serein, serein. L'équipe n'est pas sereine. La balle est où? Encore corner apparemment. Alors que Mandanda, voilà, s'énerve un petit peu là sur défense. Voilà, voilà. Fais-toi entendre, Steph, t'as raison. Coquet qui va tirer le corner. On va zapper un peu ça parce que mine de rien, c'est un petit peu long hein, tout de même. Hey Steve, tu m'as vu là, tu m'as vu, Steve. Ah, mais 3 heures, mais qu'est-ce que. Mais t'es sérieux? Tu relances dans l'axe. C'est. Mec qui relance dans l'axe alors que je lui demande la balle sur le côté gauche tout de même. Hein, là, faut. Allez, on tient bien la défense, les gars, là. On tient bien. Ouais, attention, c'est dangereux. La frappe. Ouh là là, juste à côté. C'est tendu, hein. Belle frappe. Mandanda est battu encore. Mais elle passe à côté. Alors, je dis, on a 4-0. Certes, on a une belle avance. Hein, c'est vrai, mais bon. On n'a pas non plus fait n'importe quoi. Je vais partir, allez, vas-y, cours! Non, dommage. La passe un petit peu trop profonde. Oh, bien joué ça. Ouais. Il est pas. Oh là là! Oh, calme-toi là! Carton, monsieur l'arbitre. Voilà, carton. Pour Philippe Lewis. Après 30 minutes de jeu, toujours 0-0 et carton jaune. Elle veut se venger là. La prise, excellent. Bref. Ah merde, il a enregistré ma passe, donc du coup il a fait une passe. Dommage. Moins serein le petit Kouam là, moins serein. Il fallait faire un peu de pressing là. Bientôt la mi-temps. Oh bien joué ça. Belle interception. Ah bien joué Kouam! Tu me la remets. Tu me la remets. Tu me la remets, je suis dans l'axe. Ah bon, tant pis. Corner! Non, pas corner, non, 6 mètres, ok d'accord. La plus la remettre en retrait là. Le contre Marseille peut-être, allez. Tu mets partir, bien joué ça. Et juste avant la mi-temps. Waouh. Beau tacle. Je suis pas blessé. Non. Ah si, je suis blessé. Non. Et qu'est-ce qu'il fait quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Waouh. Allez. Juste avant la mi-temps, ouverture du score. Pour l'Olympique de Marseille, 1-0. Un peu bizarre l'action là, ouais, une grosse faute là, une deuxième faute. Il contrôle bien et il frappe. Ah, il y avait quand même des petites fautes à mon avis. Une action un peu chaotique, hein, mais bon, ça fait 1-0 pour Marseille. Et maintenant, il leur faut 5 buts à l'Atlético. Juste avant la mi-temps, excellent. Alors oui, il y avait quand même des grosses fautes avant. C'est assez étonnant d'ailleurs que l'arbitre n'ait pas sifflé. Mais bon.
On va voir ce que fait le Paris Saint-Germain en attendant. Est-ce qu'ils ont réussi à reverser la tendance, hein? Ils ont perdu 2-1, je vous rappelle, à domicile au Parc. Jovetic, en tout cas, qui marque le but, qui délivre le stade de Vélodrome 1-0. Un but à la 45e minute du jeu. Il n'y a pas dû y avoir grand-chose hein, comme action, à mon avis. Les 2-3 tirs, peut-être madrilènes, Marseille, non, à part le but, je pense. Il était motivé, TGG. Voilà, la belle frappe. Ah, on voit même pas l'autre, on voit même pas le poteau, tiens. Il y avait un poteau hein, sur la tête de Madrilène et on le revoit pas. Là, on voit le carton. Oh putain, ouais, il a fait un hippon. Bon, ils font du judo. Les Madrilènes font du judo. Ouais, calme-toi. Ah ouais. Et là, le but marseillais. 1-0 à la mi-temps pour l'Olympique de Marseille. Il est heureux. Il y a quoi? 1-0. Allez! Pour l'instant, la Barcelone mène 1-0 face à Paris. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué pour Paris Saint-Germain. Allez, nous, on est reparti. Deuxième mi-temps. On joue avec Mandanda. Tranquille. Ah, ballon perdu. Ça part vite devant. Bien joué la défense, magnifique ça. Mais vas-y, qu'est-ce que je fais dessus? Mais. Il y avait faute, d'accord, excusez-moi. Non, c'était bien joué, je trouve, moi. Je pense pas qu'il y avait faute, mais bon. Attention, c'est bien joué ça. L'Atlético l'attaque. C'est bon. Ouais, Oscar, bah oui, 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 Oscar, tout le temps des choses. Donc, Jovetic, qui pour l'instant nous sauve pas, dans le sens où voilà, mais donc, nous met vraiment à l'abri là, vu que la 5-0, c'est bon. Ouais, comme la tête est bon, ok, t'as perdu la balle, c'est pas grave. Donc, oui, je parlais des transferts tout à l'heure, ouais, je sais pas du coup, quel club voudra de quoi, mais je quitterai Marseille, je pense. Hein. Voilà. Je vous le dis, je quitterai l'Olympique de Marseille. Oh putain, super barré de Steve. Après, je ne sais pas, ça va dépendre des clubs qui veulent de moi, attention. Et pas en prêt, hein, en transfert, hein, pour le coup. Alors que la super barré de Steve. Griezmann. Rentrée de Maxime Lopez, sortie de Romain et Santoni. Et pendant ce temps-là, deux changements côté madrilène. Donc oui, un transfert, pas un prêt, je disais. Et attention, je suis difficile au niveau des choix des clubs, donc voilà. Pas forcément un gros club, hein, pas forcément non plus, je sais pas forcément le Real, hein, pas forcément Manchester, tout ça, mais bon. Je veux pas non plus être un club de merde, quoi. Oh, bien joué, ça. Allez, je passe. Je passe pas. J'ai tenté d'aller en force, mais non, ça ne passe pas. En semi-pro, ça serait passé. En pro, ça ne passe plus. Ok. Alors, les supporters espagnols sont là, on les entend à chaque passe. Bien joué, ça a bien sauvé. Bien joué. Allez, pour Steve, là, à droite maintenant, dans l'axe. Ou non, je joue dans l'axe. Putain, vas-y là! Allez, bientôt le dernier quart d'heure de jeu. 1 but à 0 toujours. Et 5 à 0 sur l'ensemble des deux matchs. Hein. Il m'a un peu bloqué là, le gars. Là. C'est pas grave. T'es dans le petit jeu là, je trouve, au niveau d'espagnol. Hein. Ouh, dommage. Allez, on va au pressing là. Allez, 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 allez. On les laisse pas jouer. Une petite victoire, ça serait bien là. Oh non, il n'y avait pas faute, monsieur l'arbitre. Ah là 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 là.
Il y a encore un changement. Gabi qui sort. Mais elle pas faute là. Putain, on avait fait une bonne balle là, une bonne occasion de contre. Mais non. L'arbitre, on a décidé autrement. Coup franc. Ouais, ils n'en peuvent plus là, les Espagnols. Ils n'en trouvent plus leur jeu. 32 ans, 4 arrêts pour Steve, bien joué. Alors qu'on revoit, super barré de Steve Andanda, magnifique arrêt. Je demande la balle. Mais non, m'applique-toi dans les passes, putain, c'est moi qui prends les mauvaises notes alors que c'est lui qui fait les mauvaises passes. Ah, ils arrivent pas à jouer là. On va pas se plaindre, hein, il reste 5 minutes de jeu, un peu plus. C'est dangereux ce que j'ai fait là, bon, c'est passé. Ah, bel appel de Kwam. Ah non, dommage. On va au pressing, hein. On va au pressing là. On veut pas les laisser jouer, même si c'est bon, maintenant 0, il reste quelques minutes à jouer. On est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ouais, Marseille, ouais. Ouais. Putain. Coup de crampon dans la gueule. Désolé, gardien. C'était pas fait exprès. Bien joué, on défend bien là, parfait tout ça. Voilà, victoire en plus pour l'Olympique de Marseille, 1-0. Les qualifications pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mandanda est heureux. Il peut. Les spectateurs sont heureux, ils peuvent. Quoi, Mangus est heureux, il peut. Voilà. Jovetic, le buteur. Ah, là, j'ai cru qu'il allait saluer Mandanda. Mandanda a rien à foutre, il passe. Et eux déçus, et bah il est maintenant déçu, c'est normal. Aux hommes, nous sommes les Marseillais. Et nous. Je chante pas trop fort parce que bon, voilà. C'est un jeu vidéo quoi. Malheureusement, en vrai, ça ne se passe pas comme ça. Et les meilleurs moments, il ne devrait pas y avoir beaucoup, hein, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions au final, pas eu beaucoup de choses dans ce match. Un match assez triste au final. Il y a quand même eu l'arrêt superbe de Mandanda, hein, qu'on va revoir tout à l'heure. Le but, mais c'est de Jovetic. Le carton là, avec un waouh, boum. Alors qu'il y avait une petite faute avant, je pense, hein, Marseillaise avant. Pareil, le but marseillais, je pense qu'il y avait faute. Hein, il y avait quand même, regardez, il y a deux gars à terre, voilà, bon. Mais bon, le but est là, 1-0. Et Kwam qui est derrière, là-bas, on le voit, qui fait n'importe quoi derrière lui. Regardez-le, regardez-moi ce Kwam. Là, c'est le bel arrêt, voilà, c'est le super barré de Steve Andanda. Et c'est tout, 1-0 pour Marseille, 5 points de note, dégueulasse, mais c'est pas grave. Le principal, c'est la qualification. 2 tirs pour nous, 4 tirs pour eux, ouais, mais un but pour nous, voilà. Et pendant ce temps-là, le Barcelone a gagné 2-1 encore une fois. Marseille sera face au Barça et je ne sais pas, la Juve, Monaco, je ne sais pas, Barça, le Bayern éliminé par le Manchester United, Monaco est encore là peut-être, hein, ou la Juve, je ne sais pas, nous verrons ça une prochaine fois. Voilà, écoutez, sur ce, on va cesser là, on va regarder le classement. Je suis toujours leader avec 2 points d'avance devant Paris, hein, il reste 5 journées. La demi-finale contre Manchester United. Ah bon? C'est pas contre le Barça. J'arrive pas à comprendre là. J'étais pas sur le tableau du Barça. Ah non, ouais, je sais pas. Ah non, ça affronte en face. Ah d'accord, oui, d'accord, c'était tableau. Okay, excusez-moi, j'essaie de comprendre les choses. J'ai compris, c'est bon. Sur ce, rendez-vous la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Ce sera certainement le match contre Manchester d'ailleurs.
En demi-finale de Ligue Champion. En pro maintenant, c'est fini, le semi-amateur, le semi-pro plutôt. On passe en pro et on reste en pro. Voilà. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.